nous saluons l'Église du Dieu vivant ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tonight we greet the Church of the Living God in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Sans tarder, nous allons commencer avec notre écriture d'introduction. Without wasting time, we're going to begin with an introductory scripture. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire Matthieu au chapitre 6. Please let's stand up and read Matthew chapter 6. Nous lisons à partir du verset 25 au verset 27. From the 25th to the 27th verse. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez pas beaucoup plus qu'eux. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Which of you, by worrying, can add one cubit to his stature? Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. May the Lord bless the reading of his word. Nous allons prier tous ensemble pour Let's all pray together ce service entre les mains de notre Dieu. And commit the service into God's hand. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, alleluia. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demon will have to flee, alleluia. When we come in the name of Jesus, tell me who can stand before in the precious name of Jesus, we have the victory. Prions. Let us pray. Seigneur et notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir pour ce temps, Seigneur, que tu nous as accordé de revenir encore dans ta maison pour communier autour de ta parole. C'est vrai, tu es notre Dieu, tu nous dis que nous ne devons rien craindre. Nous ne devons pas craindre pour ce corps, nous ne devons pas craindre de ce que nous allons manger, de ce que nous allons être demain, parce que nous valons mieux que les oiseaux du ciel. Seigneur et notre Dieu Tout-Puissant, merci pour les promesses, Seigneur, de ta parole. Merci, Seigneur, pour l'assurance que tu nous donnes au travers, Seigneur, de ta parole. Ô notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur, que tu nous as choisis, Seigneur, que tu nous as appelés à être, Seigneur, tes enfants. Maintenant, nous venons à toi, Seigneur, ce soir. Nous venons ayant faim et soif de toi. Nous te prions, ô notre Dieu, que tu puisses encore une fois descendre, Seigneur, dans ta majesté et que, Seigneur, tu puisses nous parler, tu puisses parler à ce peuple qui a besoin de toi. Ô notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te laissons, Seigneur, ce service du début jusqu'à la fin. Sois avec nous, bénis tout un chacun de nous. C'est dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. «
Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Lord Jesus Christ and our God. Nous te disons merci encore une fois cet après-midi. We say thank you again tonight. Pour avoir conduit nos pas jusque dans ta maison. For having led our steps into your house. Seigneur, merci pour ta protection. I thank you for your protection. Merci Seigneur pour nous avoir gardé partout où nous étions. Thank you for your protection wherever we have been. Et Seigneur, tu as permis que ce soir nous puissions encore être ici. And you have allowed us to be here in your house tonight. Et Seigneur, c'est pour un but. For a purpose. C'est parce que tu veux nous parler. Because you would like to speak Seigneur, to us. Seigneur, tu veux nous montrer tes voies. You would like to show us your ways. Et Seigneur, tu nous dis que nous ne devons rien craindre. And you're telling us to be worried for nothing. Nous valons plus que les oiseaux du ciel. And we are more worth than the birds of the air. Et toi qui connais tout ce dont nous avons besoin. And toi, tu vas pourvoir. And you know all our needs to which you will provide. C'est pour cela, Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir. For that reason, we await on you. Tu connais notre faim you de know ta parole ce soir. Our hunger of your word. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas nous apporter, tu vas étancher, Seigneur, notre faim et notre soif. And we believe that you're going to quench our thirst. Seigneur, nous te recommandons ton serviteur qui va se tenir debout ici. And we commit you, your servant, who is going to stand here. Oh, Seigneur, que tu puisses l'utiliser comme un simple micro. So that you may use him like a simple microphone. Et qu'il puisse nous parler de ta part. And that he may speak on your behalf. Bénis ton peuple partout, Seigneur, dans cette ville de Durban. Bless your people here in Durban. Oh, Seigneur, ceux qui nous suivent en ligne, même ceux qui sont ici présents. Those who are following online and those who are present. Que ceux qui sont malades, ô notre Dieu, puissent étendre ta main et les guérir. Will you stretch out your hand and heal them who are sick? Ô Seigneur, nous croyons que tu vas faire tout cela. We believe that you are going to do all of this, Lord. Parce que nous t'avons prié et demandé. For we have asked and prayed. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. In the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous invitons notre bien-aimé frère César pour nous venir nous apporter la parole. You may be seated and we invite our beloved brother César to minister unto us. Aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. We also greet to our brothers and sisters who are following us online. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. We are in the presence of the Lord. Comme la Bible dit, là où se trouvent deux ou trois, je serai au milieu d'eux. As the Bible says, where two or three are gathered, I am in their midst. Et nous croyons que le Seigneur est avec nous ce soir. And we believe that the Lord is with us tonight. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever. Without wasting time, let's stand up. Nous allons lire dans notre écriture, dans Juges chapitre 16. We shall read in Judges chapter 16. Juges chapitre 16. Judges chapter 16. Commençons au verset 17. From verse 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. Et dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible et je serais comme tout homme. » That he told her all his heart and said to her, No razor has ever come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. And if I am shaven, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appela les princes des Philistins et leur firent dire, Montez cette fois quand il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle
et apportèrent l'argent dans leurs mains. When Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the Lord of the Philistines, saying, Come up once more, for he has told me all his heart. So the Lord of the Philistines came up to her and brought the money in her hand. Vous pouvez prendre votre place. You may be seated. Que le Seigneur bénisse la lecture de la parole. May God bless the reading of his word. Nous continuons à lire l'écriture. Let's keep on reading the scripture. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasant le sept tressé de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Then she lulled him to sleep on her knees and called for a man and had him shaved off the seven locks of his head. Then she began to torment him and his strength left him. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je me tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. And she said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from his sleep and said, I'll go out as before at other times and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Les Philistins le saisirent et lui crièvent les yeux. Et ils le firent descendre à Gazan et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Then the Philistines took him and put out his eyes and brought him down to Gaza. They bound him with bronze fetters and he became a grinder in the prison. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Nous allons partager sur cette écriture. We're going to share the word of God. Comme nous sommes en train d'introduire, as we are introducing, Samson, où est parti ta force? Where is your strength, Samson? Parce que Samson est un homme qui a été envoyé par Dieu. Samson was sent by God. Samson était un homme très puissant. Samson was a mighty man. Si vous retournez au début de l'écriture, when you read in the beginning of the scripture, vous trouvez comment Samson a défié les Philistins. And you see how Samson defeated Philistines. Il était un homme très puissant. He was a very mighty man. Il pouvait tuer des milliers de Philistins. He was able to kill many thousands of Philistines. Et Dieu a envoyé Samson. And God sent Samson pour inviter quelconque. In a purpose. Pour délivrer Israël. To deliver Israel. Pour combattre avec les Philistins. And to fight the Philistines. Mais Samson a oublié son but. But Samson forgot his purpose. Samson a oublié l'objectif à laquelle il a été envoyé. He forgot the objective of his et commission. Les Philistins sont venus. And the Philistines came. Ils l'ont arrêté. And they seized him. Ils l'ont creusé les yeux. And they poked his eyes. Ils l'ont tué les yeux. They poked his eyes. Il ne pouvait pas voir. So that he could not see il anymore. Il ne pouvait pas attendre. He could not il see. Était un prisonnier. He was a prisoner. Mais même Samson qui avait la puissance. The same Samson was mighty. Il s'est retrouvé en prison. Found himself in prison. Maintenant là où il était en prison. And in prison where les gens pouvaient le demander. People could ask him. Où est ta force, Samson? Where is your strength, où Samson? Où est ta victoire, Samson? Where is your victory, où Samson? Où est ta force que tu avais, Samson? Where is your past strength, Samson? Samson avait manqué à dur. Samson was speechless. Peut-être c'est l'histoire que vous traversez aujourd'hui. You might be the one today. Peut-être c'est la même situation que vous traversez maintenant. It might be your case today. Le but du diable quand il vient dans votre vie. When the devil comes into your life. Il vient pour détruire. His purpose is to destroy. Mais il faut se réveiller. But we have to wake up. Comment pouvait poser la question à Samson? As Samson was où asked. Où est ta victoire, Samson? Where's your victory, Samson? Samson a manqué à répondre. Samson was speechless. Parce que Samson a oublié son objectif. Because he forgot his mais nous objective, sommes des commission. Chrétiens sur la terre. We are Christians on nous earth. Sommes venus ici pour un but.
finalité. We came here for Dieu a purpose. Nous a envoyé pour faire sa volonté sur la terre. God has sent us forth to do his nous will. Nous devons connaître aussi notre objectif. We must know our objective. Nous devons connaître aussi notre position. We must know our position. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. For we are sons and daughters comme of God. Comme Samson s'était vagabondé. As Samson was a vagrant. Il a oublié le but à laquelle il a été envoyé. He forgot his purpose commission. Il s'est retrouvé maintenant en prison. And found himself in peut-être prison. Peut-être c'est l'histoire que tu traverses maintenant. It might be your case. Bien-aimés frères et sœurs. Beloved brothers and sisters. Ce soir le Seigneur est le même. Tonight the Lord is comme the same. Il avait dit dans sa parole. As he said in his je word. Je suis le même hier. I am the same aujourd'hui, yesterday. Today, et pour toujours, and forever. Il n'a jamais changé. He's never changed. Pendant que Samson était en prison, while Samson was in la prison, Bible dit, the Bible says, les cheveux commencent à se pousser petit à petit. His hair started growing slowly. Samson a commencé à trouver le réveil dans son cœur. Samson began finding his revival. Il a reconnu ses fautes et ses erreurs. He acknowledged his mistakes. Les mêmes ennemis qui le posaient des questions. The same enemies were asking où the question. Où est partie ta force, Samson? Where is your strength gone, Samson? Samson s'est réveillé avec la même force. Samson woke with the same strength. Parce qu'il a reconnu ses fautes. Because he acknowledged parce his mistakes. Parce qu'il a connu ses erreurs. Because he acknowledged le his Seigneur errors. Le Seigneur nous appelle encore ce soir. And the Lord is calling us à tonight. À reconnaître nos fautes et nos erreurs. To recognize, acknowledge our mistakes and errors. Il est le même pour vous pardonner. He is the same to forgive il you. Il est le même pour vous donner la victoire. He is the same to give you il victory. Il a donné la victoire à Samson. He gave Samson il a victory. Donné la victoire à Paul et Silas. He gave Paul and Silas il victory. Il le fera aussi pour toi. He will also do it il for ne you. Change jamais. He is unchanging. Samson a commencé à récupérer sa force. Samson began gaining les his strength pouvaient back. Se poser des questions. And the people were est-ce wondering. Est-ce que c'est le même frère? Is it the same est-ce brother? Est-ce que c'est la même sœur? Is it the same sister? À qui on voyait zélé à la parole? Which we saw, whom à we qui saw on voyait zealous venait to the word? Tout le temps l'église? And who was really regular in church? Il pouvait prier jour et nuit. And who was a il prayer man? Il pouvait lire la parole. And was mais reading the word. Mais le diable l'a séduit. The devil has deceived him. Bien-aimés frères et sœurs, beloved brothers nous and sisters, devons nous réveiller. We must wake nous up. Devons racheter le temps. We must redeem le back Seigneur the time. Vient bientôt. The Lord is coming soon. Quoi que ce soit l'état et les circonstances, regardless of time and circumstances, quoi que ce soit la durée de l'air, regardless of time, the Lord is coming jour. Soon. And one of these vous days, allez vous réveiller. You shall wake regardez up, à côté de toi. And look right. Le frère n'est pas là. The brother is peut-être not there. Ton mari n'est pas là. Maybe your peut-être husband ta femme there. N'est pas là. Maybe mais your... Jésus est déjà venu. And Jesus Christ will reste encore de ta already négligence. Come. And because of your negligence, you will stay behind. Samson qui a fait ces mêmes erreurs. Samson who committed il the same mistakes. Il s'est retrouvé en prison. Found himself mais in prison. Nous, nous sommes des fils et des filles de Dieu. But we are sons and daughters nous of God. Nous avons déjà reçu la victoire. We have already received la our victory. La victoire a été donnée en Jésus Christ. The victory was given in Jesus Christ. À laquelle nous devons nous tenir encore ce soir. On which we must pour rest. Pour combattre le vrai combat. To fight the good le fight. Le vrai combat de la foi. Of the faith. Samson que vous voyez ici. Samson that you see here. Il pouvait tuer les Philistins. Could kill Philistines. Dieu l'a envoyé sur la terre. God sent him forth on the earth. Pour accomplir sa volonté. To fulfill his toutes will. Fois Israël s'éloignait de la parole. Every time Israel went Dieu astray. Dieu envoie toujours un prophète. God always sent a pour prophet. Pour ramener Israël à la parole. To bring Israel back ce to the word. Ce soir le Seigneur continue à envoyer ses serviteurs. Tonight the Lord is il still continue sending his envoyer servant. Le Saint-Esprit dans votre cœur. He's still sending pour his vous Holy Spirit ramener in your à la parole. To turn you back to the word. On peut lire l'écriture toujours dans Samson. Let's dans read in Judges. Plutôt. Judges. Là où nous sommes, on peut reculer un peu en arrière. Let's move back a few dans verses. Juges chapitre 15. Let's go to Judges chapter 15. Dans le verset 14. From verse 14. Lorsqu'il arriva à Lichi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit
Le corps qu'il avait au bras devint comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. When he came to Lehi, the Philistines came shouting against him. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like flax that is burnt with fire, and his bones broke loose from his hand. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1,000 hommes. He found a fresh jawbone of a donkey, reached out his hand and took it, and killed 1,000 men with it. Voilà la puissance que Samson avait. This is the power Samson had. C'est ça la position que nous devons recevoir. And this is the position we should be in. Parce que Samson il a été envoyé. Because he was commissioned. Par Dieu pour ce but là. By God for that purpose. Mais maintenant quand il est en prison, now that he is in prison, les gens commencent à le pointer les doigts. And people started pointing fingers at him. Où est ta force, ma sœur? Where is your strength, my sister? Où est ta force, mon frère? Where is your strength, my brother? Toi, tu te disais être chrétien. You proclaim to be a Christian. Maintenant, tu es aussi comme nous. Now you have become like one of us. Réveille-toi, mon frère, ma sœur. Wake up, my brother, my sister. L'amour que tu avais. The love that you used to have. La patience que tu avais. The patience you used to have. Tu as perdu toutes choses maintenant. You have lost it all. Les gens commencent à te poser maintenant des questions. People are start wondering. Où est parti ton amour, mon frère, ma sœur? Where is your love gone, my brother, my sister? Où est parti ta patience, mon frère? Where is your patience gone? Où est parti la bonne volonté que tu avais, mon frère? Where is gone the good dispositions you used maintenant to have? Maintenant tu es par terre. Now you are to the Mais ground. Mais le Seigneur nous parle aujourd'hui. The Lord is speaking to us Réveillez-vous, today. Réveillez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Wake up, brothers and Revenez sisters. Revenez à Dieu. Come back to God. Comme la Bible le dit, as the word la says, volonté de Dieu God's will, est que le méchant ne meure pas, is that the wicked mais should not qu'il die, tourne ses mauvaises vies, but should turn away from qu'il revienne encore à la parole and come back to the pour word. Confesser vos péchés. Confess your Dieu sins. Est toujours si aujourd'hui pour vous pardonner. God is still faithful to Il forgive est fidèle you. Pour vous pardonner. He is faithful to Il forgive a you. Été crucifié au calvaire. He was crucified à cause at Calvary. For your sins. Même si tu as péché mille fois. Even if you sinned 1,000 times. Tu te trouves aussi dans la même condition comme Samson. You find yourself in the same condition as Samson. Frères et sœurs dans le Seigneur. Beloved brothers and sisters in the Lord. Du Seigneur Jésus Christ. Remember the Il Lord Jesus Christ. Au calvaire. He died at Calvary. À cause de tes péchés. For the sake of Ce your soir, sins. Il te rappelle encore. Tonight, remember again. Reviens dans tes mauvaises voies là. Come back from your evil ways. Abandonne ces mauvaises voies là. And forsake them. Tourne ta vie à la parole de Dieu. Turn your life to the word of God. Et dis encore comme Samson pouvait le dire. And say like Samson. Seigneur. Lord. Pour cette fois-ci. Once more. Que je meure encore avec les Philistins. Let me die with the Philistines. Il pouvait mourir à ses erreurs. He could die at his erreurs. Il pouvait mourir à ses fautes. He could die at his fault. À toutes mauvaises vies là. And all his bad life. Bien-aimés frères et sœurs, beloved brothers and sisters, à la parole. Come back to the word. Le Seigneur continue à pardonner. The Lord is still forgiving. Dans Jacques chapitre 1. In James chapter 1. Jacques chapitre 1 verset 1. James chapter 1 from verse 1. Jacques chapitre 1. James chapter 1. Dans le verset 2. From verse 2. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Knowing that the testing of your faith produces patience. Verse 3 in English. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. But let patience have its perfect work. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien.
that you may be perfect and complete, lacking nothing. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Dans le verset 12, in verse 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Blessed is the man who endures temptation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aimaient. He will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Que le Dieu bénisse la lecture de la parole. May God bless the reading of his word. Voilà ce que nous avons besoin. This is what we need. De vivre réellement la parole de Dieu. To live the word of God. Le temps que nous vivons est tellement difficile. The time we're going through is so harsh. Le prophète dit ceci. The prophet says this. Que dans le temps difficile, in hardship, que le Seigneur viendra. That's when the Lord comes. Maintenant, quand nous sommes dans le temps difficile, so as we are in a difficult time, il y a la tentation. There is temptation. Quand le diable vient seulement dans votre vie, when the devil comes into your il life, vient pour vous tenter aussi. He comes to tempt you. Si vous vous laissez faire, if you let it go, il viendra entre à toi. He will come in et détruire toute ta vie. And destroy your life. Comme il a détruit la vie de Samson. As he did with Samson. Comme il a détruit toute sa puissance. As he destroyed his power. Mais Dieu qui est en Samson là. The God who was in Samson. Il a encore réveillé Samson. He brought Samson back. Pour qu'il reconnaisse ses fautes et ses erreurs. So that he would acknowledge his failures. Samson qui avait la parole de Dieu. Samson who had the word of God. Samson qui connaissait qui il était. Who knew who he was. Même quand Delilah l'a posé la question. Even when Delilah asked him. Il a dit, je suis né. He said, I was born. Comme un Nazarien. As a Nazarite. C'est un homme consacré à Dieu. A dedicated man il to God. Il était envoyé pour un but quelconque. He was sent for a purpose. Mais comme Samson a oublié son objectif. But since he forgot his commission. Le diable est venu dans sa vie. The devil came into his life. Et il a détruit toute sa vie. And destroyed him. C'est pourquoi bien-aimés frères et sœurs. This is why beloved brothers and sisters. Ne laissez pas le diable vous tenter. Don't let the devil tempt ne you. Ne vous négligez pas le don qui est à toi. Do not neglect the gift that ne is in you. Ne négligez pas la parole de Dieu. Do not neglect the word of God. Supportez la tentation. Bear with temptation. Parce qu'à la fin de la tentation, because at the end of the trial, il y a le couronnement. There is a crowning. Tel que l'écriture l'a dit. As the scripture says. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Blessed is the man who quand bears with la temptation, with the trial. When you bear with a trial, you ça stand a trial. De différentes manières. It comes in different mais ways. À la fin de cette tentation, at the end of the trial, il y a une couronne qui vous attend. There is a crown awaiting et you. Le Seigneur ne peut laisser une tentation au-delà de votre foi. The Lord will not permit a trial beyond your strength. Il vous donne, il laisse, il permet la tentation. He lets trial come upon you. Pour que vous puissiez le supporter. So that you may bear with it. C'est pourquoi nous parlons de Samson. This is why we're speaking about comme Samson. Comme elle posait la question où est partie ta force? As he was asked, where is your strength? Que mon père vous pose aussi la question aujourd'hui. You may be asked the same question today. Bien-aimés frères et sœurs. Beloved brothers and où sisters. Où est partie l'assurance que tu avais? Where is the assurance bien-aimés gone frères which you had? Sœurs. Beloved brothers and où sisters. Où est partie l'amour que tu avais? Where is the love gone? Bien-aimés frères et sœurs. Beloved brothers and où sisters. Où est partie la patience que tu avais? Where is the patience you used le to have? Le diable t'a déjà ravi la victoire. The devil has already reviens defeated you. À Dieu aujourd'hui. Come back to God. Reconnais seulement tes fautes. Just acknowledge your failures. Reconnais seulement tes erreurs. Acknowledge your errors. Dieu continue à pardonner. God is still forgiving. Comme dans la Bible, dans Hébreux chapitre 9. In Hebrews chapter 9.
Dans Hébreux chapitre 9, verset 19. Verse 19 of Hebrews 9. Ainsi, c'est Hébreux chapitre 10. It's rather Hebrews chapter 10. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire. Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. By a new and living way which he consecrated for us through the veil, that is his flesh. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, and having a high priest over the house of God, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, having our hearts sprinkled from an evil conscience, et le corps lavé d'une eau pure, and our bodies washed with pure water. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous recommande. This is what the Lord recommends. C'est de reconnaître nos fautes et nos erreurs. It is to acknowledge our failures. Et de nous approcher de lui. And to draw near to him. Avec un cœur sincère et honnête. With a true heart in full assurance. Avec un esprit bien disposé. With a well-prepared spirit. Pour que le Seigneur puisse nous accueillir. For the Lord to welcome us. Avec le péché dans nos corps. With sin in our on peut bodies, pas s'approcher de Dieu. We may not draw near to God. Même depuis la Genèse. From Genesis. Quand l'homme est tombé. When man fell. À cause du péché, il a pris fuite de la présence de Dieu. After sinning, he fled from the presence of God. Le péché éloigne l'homme de la présence de Dieu. Sin drifts men far away from God. Il faut d'abord confesser le péché. You must first confess your Il sins. Il faut d'abord demander pardon à Dieu. You must ask God for forgiveness. Alors tu peux t'approcher de sa présence maintenant. Then you can draw near in his presence. Comme la Bible le dit. As the Bible says. Venez à moi vous tous, vous êtes fatigués, chargés. Come to me, you all are weary and laden. Je vous donnerai du repos. I will give you rest. Le Seigneur a un repos pour nous. The Lord has a rest for us. Le repos même du péché a été donné au calvaire. The rest from sin has been granted le at Calvary. Le péché a été crucifié ce jour-là au calvaire. Sin was crucified that day on Calvary. Nous sommes maintenant sans péché devant Dieu. We are now sinless before God. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. We are sons and daughters of God. C'est pourquoi approchons-nous de Dieu. Therefore, let's draw near to God. Comme une pierre vivante. As living stones. Comme fille et fils de Dieu. As sons and daughters avec of God. Avec un cœur ouvert à Dieu. With an open heart to Il God. Il est toujours miséricordieux. He is still merciful. Lent à la colère. Slow to anger. Riche en beauté. Rich in mercy. Il continue à vous pardonner. He still forgives you. C'est pourquoi il pouvait nous dire, approchez-vous de moi. That's why he told us, draw near to me. Revenez à votre mauvaise vie, mon frère, ma sœur. Come back from your evil life, brothers Dieu and sisters. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. God is not a God of confusion. Il est un Dieu de l'ordre. He is a God of order. Samson qui a rétrogradé dans sa vie. As Samson backslid in his à life. À cause de cette mauvaise vie-là. Because of his evil il life. Il s'est retrouvé en prison. He found himself in prison. L'homme qui a été envoyé par Dieu. The man was commissioned by God. L'homme qui a été envoyé pour une mission. The man was sent with a mission. Il a oublié sa mission qu'il avait. He forgot his mission. Il a commencé à faire son ambiance. He started pleasing himself. Il a commencé à faire le blague avec la parole. He started joking with the word. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. But the God who is rich in il mercy. Il a encore accordé la grâce à Samson. He gave Samson il once vous more accorde aussi la chance ce soir. A grace and he's giving you a chance revenez tonight. Revenez à votre vie, mon frère, ma sœur. Come back from your evil life, my nous brother, my sister. Nous sommes des humains. We are human. Telle que la Bible le dit. As the Bible says. L'esprit est bien disposé. The spirit is well prepared. Mais la chair est faible.
But the flesh is weak. Mais Dieu qui nous a donné son esprit, the God who has given us il his nous spirit, fortifie encore par sa parole. He can strengthen us by il his word. Nous fortifie encore avec son esprit. He can strengthen us il through nous his spirit. Appelle, bien-aimés frères et sœurs. He is calling you, brothers and sisters. Reviens, bien-aimés frères. Come back, beloved Jésus brother. Est mort au calvaire. Jesus died à on Calvary. De vos péchés. For the, because of your sins. À cause de vous, Dieu a été crucifié au calvaire. Because of you, he was crucified il at Calvary. Il ne méritait pas la mort au calvaire. He didn't deserve that il death at Calvary. Il était digne lui-même. He was worthy. Il avait le pouvoir en lui. He had the power in de him. De refuser la mort au calvaire. To refuse to die on Calvary. Mais Dieu vous a regardé, mon frère, ma sœur. But God has looked at Dieu you, brothers and sisters. Dieu a jeté les yeux sur la terre. He cast his look il upon t'a the earth. Vu toi et moi encore sur la terre. He saw you and I. Il a accepté de mourir. And accepted to de die. De mourir au calvaire. To die at Calvary. À cause de nos péchés. Because of our quelle sins. Quelle est grâce que nous avons reçue. What a grace nous we have received. Être reconnaissants à Dieu. We must be thankful to revenons, God. Revenons, mon frère, ma sœur. Let's come back. Le calvaire est encore ouvert jusqu'à ce soir. And the Calvary is still valid tonight. C'est pourquoi dans la Bible, dans Hébreux. That's why in the Hebrews. La Bible dit. The Bible says. À cause de la mort qui nous empêchait. Because of death. De demeurer permanent. Death prevented the high priest to stay permanent. Mais Dieu a accepté de descendre. God accepted to come pour down. Pour demeurer permanent pour toujours. To remain forever. Et le sanctuaire a été ouvert. And the sanctuary was open. Ah, pour que toi et moi nous puissions entrer. For you and I to enter. Mais Dieu qui nous a donné l'occasion d'entrer. The God was giving us an opportunity il to enter. Il continue encore à nous faire grâce jusqu'à maintenant. He is still giving us grace si to now. Si tu es rétrogradé dans la parole. If you have backslidden. Si tu as fait des problèmes de vie, de mauvaise vie. If you have gone into evil si life. Si tu t'es éloigné de la parole de Dieu. If you have gone astray from the word Samson of God. Samson s'est éloigné de Dieu. Just like Samson. La même parole nous est adressée ce soir. The same word is given to us. Reviens bien, mes frères et sœurs. Come back, beloved brothers Jésus and sisters. Jésus continue à se pardonner. Jesus is still c'est forgiving. C'est le but qu'il a été envoyé sur la terre. That's the purpose for which he was sent on earth. For the forgiveness of your sins. For the forgiveness of my sins. Afin que nous puissions entrer au ciel. So that we may enter in heaven. Samson qui a blagué avec la parole. Samson joked with the word. Il s'est retrouvé en prison. He found himself in prison. Et l'ennemi commença à lui poser des questions. And the enemy asked him these où questions. Où est parti ta force, Samson? Where is your strength gone, Samson? Où est parti ta puissance, Samson? Where is your strength on gone? On te connaissait comme un bon frère. You were known as a good on brother. On te connaissait comme une bonne sœur. You were known as a good sister. Maintenant tu es par terre. Now you are on le the ground. Le diable commence à te pointer les doigts. The devil is pointing où fingers at you. Où est parti ta force, mon frère, ma sœur? Where is your strength gone, my brother, my sister? Que tu avais, mon frère, ma soeur? Where is the gone the love that you had, my brother and sister? You used to love brothers. You used to love your sisters. You used to love preachers. Les enfants de Dieu. You used to love the maintenant children of God. Tu es par terre. Now you're on le the ground. Diable te pose la question. The devil is asking où you. Cet amour, bien, mes frères? Where is your love gone, confinement n'a rien à voir avec la parole. The confinement has nothing même to do with si the word. Nous sommes dans le confinement, even in confinement Dieu state. Continue à nous parler. God can still speak. Dieu continue à nous conduire. God can still lead. Dieu continue à nous diriger. God can still Dieu lead. Continue à nous pardonner. He can still forgive. Dieu continue à sauver. He can still Dieu continue à nous révéler notre force. He can still give c'est us pourquoi our le strength. Diable nous a posé la question. That's why the devil is asking you. Où est parti la force, bien-aimés frères? Where is your où strength, est parti ton brother? Amour que tu avais, bien-aimés frères? Where is gone the love Dieu you used to have? Dieu nous reconnaît ce soir. God is merciful tonight. He shall forgive you. Il avait pardonné à Samson. As he did with Samson. Samson lui-même il a crié. Samson himself cried out. Encore une fois, Seigneur Jésus. Once more. Mais Jésus qui a accepté. And Jesus accepted. L'a écrit de Samson. That cry. Il va aussi accepter pour toi, mon frère. Of Samson, he will also accept yours. Samson était en prison. Samson was in prison. Il était un homme dû à la parole. He was really involved in the word. Il aimait beaucoup Dieu.
He loved God. Et c'était le but à laquelle il a été envoyé. And that was the, et his commission. Et Samson représente nous, les frères et sœurs. And Samson represents us. Mettez-vous à la place de Samson. Put yourself in his et shoes. Et regarde-toi l'état à laquelle tu te retrouves ce soir. And look at your state. Ne regarde pas le passé. Don't look at ne the past. Ne regarde pas le futur. Don't look at mais the future. Mais regarde maintenant, mon frère, ma sœur. Now look at si now. Si le Seigneur Jésus revient bientôt. If the Lord comes mais back mais now. Mais maintenant où nous sommes ici. As we are here. Est-ce que serez-vous l'un de ces candidats? Are you going to be one of his candidates? Jésus revient bientôt. Jesus is coming back soon. Le message du temps de la fin. The end time message. Qui nous a été envoyé pour nous préparer. Was sent us for et our preparation. Est arrivé partout à travers le monde. And it has reached et all the places of the earth. As the scriptures say. Dans Matthieu chapitre 24. In Matthew 24. On peut relire l'écriture verset 14. Let's read the scripture from verse 14. Matthieu 24, verset Matthew 14. 24, verse 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. La bonne nouvelle a déjà parcouru le monde. The gospel has reached the mais corners of the world. Mais ceux qui se trouvent à l'extrémité de la terre. Even as far as the end of the ils world. Ils ont déjà reçu la bonne nouvelle. They have all received the c'est good news. C'est que nous attendons maintenant. What we are expecting. C'est l'avenir de Jésus. Is the return of la Jesus. La question maintenant est posée. Then the question is dans asked. Dans quelles conditions le Seigneur vous trouvera? In which condition shall the Lord find Samson you? Samson s'est retrouvé dans la condition de faiblesse. Samson was in a weak condition. Il a même perdu ses yeux. And he even lost his le eyes. Le diable quand il vient dans ta vie, mon frère, ma sœur. When the devil comes into le your life. Le diable quand il vient dans notre vie. When he comes into c'est our life. C'est pour détruire. It's for destruction. Il crève d'abord les yeux. He poke your pour eyes. Pour que tu ne puisses pas voir la vérité. For you not to see à cause the truth. De cette condition-là. And because of that tu condition. Tu peux commencer à minimiser la parole de Dieu. You will be undermining the tu word of God. Tu peux commencer à minimiser même le serviteur de Dieu. You will be undermining tu the servant of God. Tu peux commencer même à ne pas lire la parole. You will stop reading c'est the word. Le but du diable qui est venu sur la terre. That's the purpose depuis of the devil. Depuis l'Ancien Testament. Right from the Old la Testament. Chute a eu sur la terre. When the fall happened. Le diable a eu un but. The devil had one purpose. C'est détruire. Is to destroy. C'est combattre. Is to c'est vous fight. Faire par terre. Is to et cause vous you to fall. Même vos erreurs. And to cause you to fall. Vous montrer des fautes et des erreurs. To show you failures. Vous montrer que vous êtes faible. And prove you that you vous are weak. Vous avez des manquements. You've got shortcomings. Mais à notre Seigneur Jésus-Christ. But our Lord Jesus Christ. Il vous dit que vous êtes fort. He's telling you you're strong. Parce qu'il a vaincu lui-même au calvaire. Because he himself has overcome. Ses fils et ses filles vaincront aussi. And his sons and daughters shall be conquerors too. And we have victory en Jésus Christ. In Jesus Christ. À cause de cette victoire, mon frère, ma sœur. Because of that victory, réveillez-vous, brothers and sisters. Wake up. Revenons à Dieu. And come back to God. Avec un cœur sincère et ouvert. With a sincere heart. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. On peut se tenir debout pour prier le Seigneur. Shall we stand up to pray the Lord? Tel que la Bible dit, Samson a crié à Dieu. As the Bible says, quand Samson cried out to God. When he acknowledged quand his failures, reconnu ses erreurs, when he acknowledged il his pouvait errors, regarder. He could look. Seigneur, Lord, j'ai connu des fautes. I made mistakes. J'ai commis des erreurs. I made j'ai mistakes. Minimisé ta parole. Undermined your word. J'ai oublié l'objectif à laquelle je suis ici. I forgot my commission. Souviens-toi de moi, Seigneur. Remember me, Lord. Et Jésus se souvient de lui. And Jesus remembered him. Comme il avait répondu pour Paul et Silas. As he answered Paul and Silas. Il va répondre aussi pour vous ce soir. He shall answer you tonight too. Il demeure le Seigneur Jésus-Christ. He remains the Lord Jesus Christ. L'homme de Dieu a lu pour nous l'Écriture. The man of God read us.
vous inquiétez de rien. Worry for nothing. Laissez que vous inquiétez, frère. Do stop being worried. Vous vous inquiétez de quoi, mon frère? Why are you worried, brother? Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Seek ye first the kingdom of God la and his righteousness. And the Bible says this. Et le reste vous sera ajouté. And the rest shall be added. Tu vas le chercher. It's not that you shall be seeking after it. Ajouter. It will be added unto you. Parce que tu as déjà trouvé le royaume des cieux. Because you have found the kingdom of God. And that kingdom c'est le Seigneur Jésus Christ. Is the Lord le Jesus roi Christ, rois, the King le of Seigneur Kings, des Seigneurs. The Lord of Prions Lords. Le Seigneur tous ensemble. Let's pray together. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire, honneur, louange et adoration te soient rendus à toi. C'est vrai, Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants. Nous avons entendu ta parole. Nous avons des fautes et des erreurs. Mais Dieu t'a dit dans ta parole. Venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus-Christ, nous avons besoin de ce repos. Nous avons besoin de ce repos-là. Assiste-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans ce temps difficile ici, Seigneur. Toi, tu as répondu à Paul. Toi, tu as répondu à Silas. Toi, tu avais répondu à Daniel. Tu n'es pas un Dieu de passé, mais un Dieu de présent. Merci pour ce soir, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Nous sommes de tes enfants, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens et secours-nous, Seigneur puissant. Regarde-nous fort dans ta parole. Là où nous avons failli, là où nous avons commis des fautes, là où nous avons commis des erreurs. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Oh, Samson pouvait reconnaître ses fautes. Il pouvait dire, Seigneur, encore une fois, Seigneur Jésus, mais tu avais écouté la prière de Samson. Quoi que ce soit les fautes qu'il avait fait, Seigneur, nous sommes tes enfants. Mais voici, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi ce soir. Assiste-moi, Seigneur Jésus. Souviens-toi de moi, Seigneur. Je suis un homme faible parmi tous. Mais Dieu, c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous donne la force, Seigneur. Le temps difficile est déjà là. Nous sommes compliqués, Seigneur Jésus. Et les choses nous semblent très difficiles. Mais Dieu, la parole nous a été lue. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Seigneur Jésus, souviens-toi de nous, Seigneur. Nous recommandons les restes dans tes saintes mains. Aie pitié de chacun de nous, Seigneur. Écoute la prière de tes enfants. S'il y a quelqu'un ce soir qui est malade, au nom de Jésus, qu'il reçoive la guérison. C'est pourquoi, Dieu Tout-Puissant, je proclame la victoire telle que Samson l'avait gagnée. Seigneur Jésus, il a voyagé contre le diable. Enlève la distraction dans nos vies. Enlève la mauvaise vie, Seigneur Jésus. Enlève la distraction, Seigneur Jésus. Restaure chacun de nous, Seigneur, que nous puissions revenir. Gloire, honneur, louange et adoration te soient rendues à toi. C'est vrai, Seigneur, nous sommes tes enfants. Souviens-toi de chaque frère. Souviens-toi de chaque sœur. Souviens-toi de tes enfants à travers le monde. Tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, assiste leurs besoins. À chacun d'eux, il y a une requête, Seigneur. Souviens-toi des Seigneurs Tout-Puissants. Au nom de Jésus, nous proclamons la victoire à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous réclamons, Seigneur Jésus, où tu sais de Babu, toko tu chinis. Gloire, honneur, louange et adoration. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta beauté. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Souviens-toi de chacun de nous ce soir. Tes enfants sont venus nombreux. Et ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, à chacun de nous, il y a une requête. Seigneur Jésus, je réclame la victoire à chacun de nous, Seigneur. Là où nous sommes faillis, nous avons failli. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur Tout-Puissant. Là où nous avons tombé, Seigneur Jésus, récupère-nous comme tu avais récupéré Samson. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur Jésus. Il y a ceux qui sont malades ce soir. Seigneur Jésus, c'est toi qui guéris le malade. Tel que tu as dit dans ta parole, je suis le Dieu qui guérit de toute maladie. Au nom de Jésus, sois guéri là où tu es. Et toi, tu as des problèmes dans ta famille. Que le Seigneur t'accorde la solution.
Tu as des problèmes au travail qui te donnent la solution. Tu as des problèmes dans ta vie privée. Seigneur Jésus, donne la solution à tes enfants. Il y a tant de situations difficiles. Mais Dieu, nous avons la foi. Nous avons l'assurance que toi, tu as commencé cette œuvre. Tu vas l'achever. Souviens-toi des diacres, Seigneur Jésus. Bénis-les et bénis leur famille. Bénis leurs enfants. Bénis leurs activités, Seigneur Jésus. Souviens-toi de tous les ministres que tu nous as apportés. Seigneur, nous prions que tu puisses les soutenir. Bénis notre pasteur ce soir. Bénis sa famille. Bénis ses enfants. Bénis ses activités, Seigneur Jésus. Parmi nous, nous sommes des faibles, Seigneur Tout-Puissant. Mais Dieu, nous prions, nous demandons de nous pardonner, Seigneur Jésus, de nous accorder encore la grâce. Samson a crié encore une fois, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, aide-nous aussi, Seigneur. Ce soir, nous recommandons les restes. Nous prions pour nos familles, que tu puisses protéger les Seigneurs. Pour ta main à ces temps difficiles, même quoi que ce soit l'œuvre du diable, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ. Ô nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.